Des membres du gouvernement burkinabé et des proches des victimes du crash du vol d'Air Algérie se sont rendus ce dimanche sur les lieux du drame en territoire malien. Objectif, toucher du doigt la réalité de l'ampleur de la tragédie de jeudi dernier. À la fin de cette visite, le chef de délégation, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, Jean-Bertin Ouédraogo, s'est exprimé au micro de Sié Sylvestre. Nous sommes venus voir de visu le lieu du crash et nous sommes vraiment édifiés quant à la violence de l'impact et quant à la profondeur de la destruction de l'avion. Je crois que c'était vraiment important pour nous de le faire. C'est bien de travailler dans le bureau, mais c'est aussi bon de venir sur le terrain, de constater et de pouvoir expliquer davantage aux familles des victimes ce qui s'est passé. Parce qu'elles attendent des réponses de la part donc, du gouvernement, elles attendent des réponses de la part donc, de la cellule de crise. Et c'est ce qui justifie notre présence ici cet après-midi. Nous déplorons véritablement ce qui s'est passé. Nous continuons de demander vraiment à Dieu de soutenir l'ensemble donc des familles des victimes. C'est véritablement difficile, c'est douloureux, mais nous sommes face à une réalité qu'il faut accepter. Et je crois que le travail qui est fait actuellement et que nous avons constaté également, c'est que les experts en la matière sont déjà là.